Bon, Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole. J'en fais dans lundi, votre chef à la maison qui entre là. Ta nous, moi, dis nous merci parce que nous avons suivi. Merci pour confiance, nous, bouche à l'oreille, sap mâché, chaîne nap. Continuez. Pour puis devant, nous pas prêter. Je dis à la moi, préparer un petit crémasse de cachement pour nous. Okay? Bon, déjà, fait déjà, c'est vraiment bon, c'est hallucinant. Okay? C'est très très bon. Qu'on a pour commencer, premier, ça me fait, mais cachement là, il y a 3 unités de cachement. Moi, pas qu'à dire pas gramme, pas kilo ou peu importe, moi, je ne pas quantité de cachement comme ça parce que c'est pas facile parce que là où pèse, la baille, il y a une graine parti, donc un pile pète à fait, ok? Tout ingrédient, m'a venir avec une après l'autre, ok? Mais pour le moment, premier, ça me fait pour nous, m'a venir avec 3 cachements, je vais déposer là, je vais le craser directement dans la façon à moi. Ce qui est très important pour me dire, nous la donne, ok? Lorsque nous vidons, prenons ça, nous mettons vidé net. Les nous vidons pas juste prendre petit. Pas juste faire comme ça. Là. Comme si nous prenons grain dans ce fini. Ce n'est pas vrai. Là. Nous avons tout ça qu'on a dans là. Gade. Tout chair. Gade. Viande. Viande qui est dans ça, on prend tout. Ok? Si ça me besoin plus, dis nous plus important. Nous finissons prendre tout en dans ça. Ok? Gade. Qu'on a là, on finit faire tout, ainsi de suite. Et puis, je vais venir nous lorsque je finis faire tous les 3. Ça, une fois que je vide tous les 3 cachements, je ne fais beaucoup rien là-dedans. Qu'on a pour recette que je fais là, qui 3 cachements, j'ai besoin de 3 tasses de sucre aussi. Mais 3 tasses de sucre là-dedans, là, pour que ça me tout montre non là, parce que depuis qu'on a commencé à utiliser là-dedans, je mets un peu de sucre. Un peu de sucre, je mets pour le cas aider à me craser les fruits. En ce qui concerne les graines cachement, on a regardé devant nous, ce n'est pas un problème lié. Il n'y a pas de percer passoir. Dès qu'on finit de retirer un bon couche avec cause de sucre, on a mis à qu'on a qui soit fait, ou bien on prend un gant, ou bien on prend un kilo, j'en veux commencer à retirer le noyau. On retire le grenouille pour qu'il soit retiré le grenouille après. On va remettre le sucre encore pour que ça soit plus facile pour moi. Une fois qu'il est bien retiré, on retire tout le grenouille, on a petit massacre, on remettre notre petit sucre encore. Toujours utiliser dans 3 tasses sucre moins. Ok, fin prendre tout du cachement et voilà, dit là, moi conserver li là. Qu'on a là, on va venir avec cocoya déjà gragé. Mais cocoya déjà râpé, moi râpé, moi fait 2 tasses avec, ok? Qu'on a là, n'a besoin 3 tasses de lait. Je mettais moitié là-dedans. Elle dit, yon tasse et demi, je dépose yon tasse et demi dans le coco râpé. Je vais prendre un jus coco. Quand là, une fois que je me lève gros supplé, qu'on a là, je viens avec le même cachement qui était déjà crasé. Je vais prendre vider ça, le coco. Le jus coco avec demi tasse là. Avec moitié lettre là qui est déjà là-dedans. Qu'on a là, reste, ouais, qu'on a là, m'gete ballon couche avec lettre là, qu'on a ça m'a le fait. Pour recette, m'a utilisé 3 tasses d'alcool. Là, tout de suite, qu'on a ça m'a le fait, n'a même pas ça, qu'on a m'a le mettre une tasse là-dedans. Ok? Mais tasse d'alcool là, m'a mettre là, n'a alcool ça lui-même, n'a pas le prendre tout tiré jus. Cocoya avec l'être là qui dans ça. Ensemble bien lavé, hein? bien pugé. Hein? Quand on là, moi, une fois que moi j'ai mis cocoya moi avec un bon jus cocoya qui est là dans là normalement, dans qui ça me va faire là? Moi aller juste prendre moi pour le vider dans tuile, moi bien passer, OK? C'est ça qui tuile là, OK? Un petit bail fin comme ça. Moi prends les moi bien arrangé là même et puis qu'on a la map vidé qu'on a là lorsqu'on passe dans tuile ça qui s'arrive crème ça pas gain rien il pas bon petit même un petit paille coco il pas gain même un petit paille sucre rien il pas gain là-dedans OK là la moi bien prendre moi prendre bien bagarre là comme ça mettons qui est là la fin couler après ça moi qu'on a continuer reste procédure pour nous qu'on a une fois que moi bien couler pas gain aucun petit mac en bas encore qu'on a pas continuer recette moi moi mettez reste 3 tasses sucre moyen. Moi mettez reste 3 tasses lait moyen.
Maintenant, là, je continue à brasser pour me faire sucre là, bien fort. Il y a une madame qui me dit, nous là, ok? Et tu as utilisé la tuile pour que me fasse couler crémasse là. Mais il y a une bagaille qui aurait les Chinois étamines qui fait pour ça même. Si toutefois, ou même qui est dans un pays étranger ou a fait crémasse pour vendre, ou a dans n'importe côté qui vend bagaille cuisine, ou a demandé Chinois étamines. Une fois que moi bien réalisé sucre là bien fond, moi fini avec 2 tasses de lait condensé. Soit que vous achetez ça et vous vendez dans la maquette, ou bien moi-même, moi t'ai fait pour nous, moi mettez sous chaîne YouTube là, moi. Il est déjà là-dessus. Dans la fin de la vidéo, je mettez pour nous comment faire lait condensé. Je vais cliquer sur son vidéo. Je vais mettre 2 tasses. Mettez 2 cuillères d'essence de vanille. Pure, hein? Je vais brasser. Il y a 5 wagons de crasse sucre en bas encore. Ok, qu'on a là. Si vous même voulez faire, vous pouvez mettre un petit cannelle là-dedans. Si vous voulez tout, vous pouvez mettre un petit muscade. Moi-même, je ne pas mettre parce que il fait l'aide, les mon abuel, yo gade ou tout crasse en bas bouteille là ou bien en bas vers mon abuel là. Donc moi-même, je ne pas mettre, ça ne peut pas changer rien. Quand y a là, je vais mettre 2 tasses de clairin là-dedans. Ok? Ça fait 1 tasse. Ça fait 2 tasses. Plus tasse nous sont, j'aime de mettre dans le coco, ça fait 3 tasses. Et qu'on a là, moi ajouter un quart de tasse de jus de citron là-dedans. Et voilà. Voilà. Qu'on a là, on est en passé dans la tuile là déjà. C'est excellent. Ça me va le faire là, qu'on a ma venir juste vider la bouteille pour nous. Même si on est en fond l'autre déjà, je vais venir avec pour nous. Qu'on a là, je vais vider la bouteille et puis après ça, je vais. Je vais venir avec et puis je vais venir avec un ancien samedi que j'ai fait depuis 2 semaines là pour Noël. Ok, mes bouteilles de crème à salam que j'ai fait là, Noël ont un petit liquide, c'est normal. Bientôt, dans 2 jours là, maximum 2 jours, il pourra être parfait. Ça, c'est ça que je fais aujourd'hui là, je vais déposer là. Non, mais samedi que j'ai fait lui-même depuis 1 semaine là, voilà, c'est la même chose. Crémasse de cachement. Qu'on a là, je vais venir tester pour Noël. Maintenant, juste font une petite séquelle. C'est tout. Pas besoin de grosse séquelle là. Parfait ça. Regarde. C'est excellent. Regarde ça. Ouais. Ça colle. Il colle dans le verre. Le fait qu'il colle dans le verre, regarde ça. Ça veut dire que c'est excellent. Si vous réussissez la crémasse, c'est comme ça. Ou deux ouais. Donc, crémasse de cachement. Seigneur, c'est bon. Cachement vraiment excellent. Ok? Un petit crémasse de cachement. Vous mettez un petit glace là-dedans et vous présentez le balsam. Et voilà. C'était JFL Cuisine Créole. J'en fais dans lundi. Votre chef à la maison qui est entré à la canne pour te préparer un petit crémasse de cachement pour nous. Merci. Au revoir.